Voilà, un dernier invité que je vous invite à accueillir chaleureusement, c'est le président de la Fédération Baptiste Européenne. Notre fédération fait partie d'une autre fédération baptiste à l'échelle européenne. Et j'invite Stéphane Giesiger, traduit par Olaf, qui vient nous parler. Et je salue également son épouse Catherine qui est avec nous. J'ai l'honneur de finir cet après-midi, n'est-ce pas? Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une grande joie pour moi de pouvoir passer ces journées avec nous. Merci de tout cœur pour votre invitation. J'ai l'honneur de servir en tant que président de la Fédération Baptiste Européenne depuis septembre 2021 pour une durée de 2 ans. Cela me donne l'occasion de rencontrer encore plus de sœurs et de frères dans le foi qu'auparavant. Et maintenant, je change la langue. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. War das zu lang? Désolé, c'est pour la première fois que je dois traduire un Suisse. Déjà, le traduire en allemand, c'est compliqué. Hein? Et puis l'entendre et comprendre pour le français. Mais je t'écoute encore une fois attentivement. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Bon, il vient d'origine suisse. Und wohne mit meiner Familie am Zürichsee. Et il habite avec sa famille au lac de Zurich. Und ich bin sehr froh darüber, dass meine Frau mich auf dieser Reise begleiten konnte. Et il est très très content que son épouse, s'il a juste devant lui, pouvait l'accompagner pour ce voyage à Paris. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass sie mit mir auf einer Reise für meine Positionen, die ich inne hatte, dabei sein kann. C'est la première fois qu'elle l'accompagne pour ces voyages qui sont très nombreux dans ses nombreuses responsabilités. Donc c'est pour la première fois une première. Je peux vous inviter pour l'applaudir déjà. Wenn wir uns also erlauben, nicht die ganze Zeit mit euch zu sein an diesem Kongress, même si nous pouvons pas être tout le temps de ce congrès avec vous, dann bitten wir darum, das zu entschuldigen. Nous vous demandons de nous excuser. Wenn wir schon ein Wochenende in Paris sind, si nous pouvons passer un week-end à Paris, möchten wir diese Tage auch ein bisschen zu zweit genießen und diese wunderbare Stadt ein bisschen zu erkunden. Möchten wir diese Zeit genießen? Okay. Donc je rentre pas dans les détails du genießen, voilà. ils veulent profiter quand même de la ville, de la visiter et de profiter des bons moments qu'on trouve ici dans cette ville. Ich bringe herzliche Grüße der Europäischen Baptistischen Föderation. Je vous transmets des salutations de la Fédération Baptiste Helvétique, Suisse. C'est ça? EBF. EPF? EBF. EPF, qu'importe. L'européenne. Ah, européenne, désolé, veuillez m'excuser. C'est là le Suisse dans l'oreille de l'allemand. Certainement aussi de l'Union Baptiste Suisse. Oui. Zurzeit bilden 59 baptistische Unionen gemeinsam die EBF. Actuellement, ce sont 59 unions d'églises églises qui forment. Désolé. Diese erstrecken sich vom Nordkap bis nach Süditalien. Ah, d'accord. Donc, c'est 59 unions d'églises qui s'étendent du Cap du Nord jusqu'au. Italie, oui. Von der Iberischen Halbinsel bis nach Kasachstan. De l'Espagne jusqu'à Kasachstan. Von Irland bis hinter den Ural. De Irlande jusqu'à derrière l'Ural. L'Ural. Und umfasst auch den Nahen und den Mittleren Osten. Et inclut aussi... c'est quoi ça? Nahen Osten. Oui, Moyen-Orient, désolé. 4 große Kulturräume. 4 grands espaces de culture. Westeuropa. L'Europe de l'Ouest. Osteuropa. L'Europe de l'Est. Zentralasien.
Asie centrale. Und Mittlerer und Nahosten. Et l'Asie. Mittlerer und Nahosten. Moyenne et Nord. L'Est. L'Orient. L'Orient, désolé. Mais pourquoi il parle tout seul, ça? J'ai la honte. Ich wollte nicht alles wirklich ablesen. Ja, yeah, d'accord. Was für ein Reichtum an Kultur. Quelle richesse dans toutes ces cultures. Was für ein Reichtum an Wegen, Entscheidungen zu treffen. Quelle richesse de trouver des découvertes et des solutions à travers ces cultures. Was für ein Reichtum an Liturgien von Gottesdiensten. Quelle richesse de liturgie dans les cultes différents. Was für ein Reichtum an Äußerungen des Glaubens. Quelle richesse aussi de l'expression de la foi. Was für eine Gelegenheit, den Reichtum des Reiches Gottes kennen und schätzen zu lernen. Et quelle occasion de découvrir la richesse qui se trouve en Dieu et le partager. Im Namen aller Geschwister der EBF und im Namen aller Mitglieder des Staffs. Au nom de tous les membres et du staff de Fédération Baptiste Européenne. Herzliche Gratulation zum 100. Geburtstag. On vous dit joyeux anniversaire pour vos 100 ans. Vous avez vraiment l'air très très vieux, très vieille. Ah non, je ne devais pas le dire. Du bist sehr gut gealtert, liebe französische Baptistenunion. Du bist sehr gut gealtert. Ah, d'accord. Tu as très bien vieilli, la Fédération Baptiste de France. Mögen dir noch viele Jahre gegönnt sein. Que le Seigneur vous accorde encore bien des années à vivre. Weil der Herr unser Gott immer neue Kraft gibt. Parce que le Seigneur vous donne toujours des forces nouvelles et les renouvelle. Weil der Herr dein Gott deine Hoffnung ist. Parce que le Seigneur est votre espoir. Speziell grüßt auch unser neuer Generalsekretär Alain Donaldson. Particulièrement, je transmets des salutations du secrétaire général de Alain Donaldson. Voilà, c'est lui. Er weilt in Deutschland und macht das gleiche wie ich. Voilà, il est actuellement en Allemagne et fait la même chose que lui. Lui. Tu le dis. Ich habe mich ein bisschen in meinen Büchern in die Geschichte vertieft. Voilà, il approfondit les histoires. Ich habe die Bücher studiert. Ah, wow. Il a étudié des livres d'histoire. Und ich habe herausgefunden, dass die erste Baptistengemeinde auf dem europäischen Kontinent in Frankreich entstanden ist. Et il a découvert que la première église baptiste sur le continent européen se trouvait en France. Stimmt das? C'est vrai? Cherchez les livres. Cherchez et vous trouverez. Je cite Jésus. Es ist erstaunlich und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ein Schweizer Ehepaar auch seinen Anteil dabei hatte. Je suis étonné et très reconnaissant qu'un couple suisse faisait partie de cette fondation. De cette fondation, yep, d'église. Es ist viel geschehen in den Zeiten von Louis Collier und Henri Pitt. Oh, toujours les noms. Donc, il se sont beaucoup de choses passées dans les temps de machin et machin. Henri Pitt et Louis Collier. Oui, voilà, Henri Pitt, voilà. Merci. Und das Tolle daran ist, jetzt sind wir hier und feiern 100 Jahre Baptistenunion in Frankreich. Voilà, et maintenant, on se trouve tous ici ensemble en France pour fêter les 100 ans de la Fédération. Und das ist das Erstaunliche an dieser Geschichte, dass Gottes Treue hier sichtbar wird. Et c'est là la grande joie de la découverte que la fidélité de Dieu se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Und das ist ein großes Lob an unseren Gott und Herrn. Et ça, c'est un grand remerciement à notre très grand Seigneur. Was ihr an diesem Kongress an Thema habt, ce que vous partagez comme sujet lors de votre congrès, ist, dass ihr euch eurer Wurzeln bewusst werdet.
C'est le fait que vous vous rendez compte de vos racines. Und dass ihr mit Eifer herausfinden wollt, was euch die Zukunft bringt. Et que vous voulez avec zèle découvrir ce qui sera votre avenir. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Et il est très curieux de voir les résultats. Denn ich weiß, ich kann davon lernen. Parce qu'il sait qu'il il pourra en apprendre des choses. Das habe ich immer erfahren, wenn ich für die EBF unterwegs bin. Ce qu'il a toujours expérimenté chaque fois où il était au ministère des déplacements de l'Union européenne baptiste. Es gibt keinen Ort und keine Kultur, von der ich nicht lernen kann. Il n'y a aucune culture, aucun lieu d'où il ne peut pas tirer des exemples. Et des und das leçons. Ist das Wertvolle, was mir gefällt, wenn Geschwister aus verschiedenen Kulturen beieinander sind. Et c'est exactement ce qui lui plaît particulièrement quand il est avec des frères et sœurs de différentes cultures. Lasst uns das weiterhin gemeinsam tun. Je vous invite de continuer de faire cela ensemble aussi dans le futur. Dass wir den Herausforderungen, die die heutige Welt uns bietet, auch gewachsen sind. Que nous puissions répondre aux exigences et aux défis que nous lance notre temps et notre société. Merci de tout cœur, que Dieu continue à vous bénir et encore une fois, félicitations pour les 100 ans. Merci.